Un vendredi pluvieux qui a réuni ses proches dans un dernier adieu. Ils étaient nombreux à assister en ce 14 avril 2023 aux obsèques de Maître Hervé Temim, décédé le 10 avril dernier, à l'âge de 65 ans des suites d'une dissection aortique. Surnommé l'avocat des stars, il était aussi leur confident et leur protecteur pour certaines comme Laura Smet, Richard Berry ou Bernard Tapie. Ce vendredi 14 avril, ils étaient là pour lui rendre hommage au cimetière du Montparnasse à Paris. Nicolas Sarkozy, qui l'avait défendu dans l'affaire des Fadettes, ses confrères Éric Dupond-Moretti, Thierry Herzog ou Francis Spinet étaient réunis, les mines graves. Ses amis Catherine Deneuve et sa fille Chiara Mastroianni, Marina Foy, Claire Chazal ou Inès de la Fressange se pressaient sous les parapluies. Patrick Bruel, Jean-Claude Darmon ou encore Antoine de Caunes étaient également là pour rendre hommage aux pénalistes. Valérie Lemercier, habillée en noir et les yeux cachés derrière des lunettes au vert fumé, était également très émue en arrivant au cimetière pour un dernier au revoir à son ancien compagnon. Hommage à Hervé Temim, son ex Valérie Lemercier, Catherine Deneuve, Éric Dupond-Moretti. Tous réunis pour ses obsèques, Valérie Lemercier pleure son ex-compagnon présent au cimetière ce vendredi. La comédienne Valérie Lemercier avait partagé 7 temps de sa vie avec l'avocat. S'ils se sont fait discrets durant cette relation, l'héroïne des visiteurs a tout de même fait quelques confidences sur son compagnon par le passé. Au cours d'une interview accordée à Vanity Fair et parue en 2020, Valérie Lemercier avait livré quelques anecdotes amusantes sur leur vie de couple, expliquant qu'Hervé Temim faisait tout pour la protéger des critiques. Hervé avait fait le tour de mon quartier pour acheter tous les exemplaires, du Figaro, note de la rédaction, de peur que je tombe dessus, avait-elle raconté à nos confrères. En plus d'être prévenant, celui qui a compté Bernard Tapie ou Gérard Depardieu parmi ses clients était aussi connu pour son humour. Un jour, Hervé a fait croire à quelqu'un qu'en payant très cher, il pouvait changer son signe du zodiaque, s'était souvenu avec amusement Valérie Lemercier. Éprouvée, l'actrice a assisté avec émotion aux obsèques de son ex-compagnon. Crédit photo, Jacovide, Clovis.